Salut, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Oh, de l'écho. Voilà, là ça devrait être mieux. Allez, clap, prise 2. Salut, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours Nils. Et cette fois-ci, on continue les épisodes basés sur la conteneurisation. Et j'espère prendre ma revanche aujourd'hui sur Kubernetes et K3S. L'épisode de dimanche dernier avait été un peu chaotique. Et pour l'instant, c'est Kubernetes qui a gagné. Salut à toi Azram. Alors, pareil pour la revanche. J'espère en tout cas que vous êtes en forme. Hop là. Alors, Azram est là. Qui d'autre est dans le coin? Hop. Bon, donc, nouvel épisode consacré à Kubernetes et K3S. On va espérer que cette fois-ci ça fonctionne un peu mieux. Bon, je dois avouer que j'avais forcément lu la documentation un peu en diagonale la dernière fois aussi. J'espère que cette fois-ci ça ira un peu mieux. Hop, alors. Où est passé d'ailleurs le truc de la dernière fois? Hop, copier. Et je vais le coller quelque part, par là, hop là, voilà. Comme ça, moi je l'ai sous les yeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous le coller aussi dans le chat. Qu'est-ce que j'ai fait du chat? Hop, il est là. Tac. Donc on était parti sur ça à la base, pour essayer de s'installer un petit cluster Kubernetes, sans grande prétention, hein. On y va en mode tranquille peinard à la base, hein. Et puis, l'idée, c'est quand même de lancer ça tranquillement, de découvrir les choses. Que les choses soient très claires, hein, je suis absolument pas habitué à ce genre de techno-là. Donc, c'est l'objectif. T'as le chat sur le téléphone, alors tu parleras moins. Oh, quel dommage! Mais bon, déjà, t'es là. Donc, encore merci à toi, Azram, de me suivre dans ces aventures, dans ces pérégrinations. J'espère que ça t'amuse autant que moi. Alors. Donc, je m'étais rendu compte d'un truc. On s'était rendu compte d'un truc la fois dernière, c'est que le setup de mes VM laissait quelque peu à désirer. Parce que, en fait, si je reprends d'ailleurs la documentation que j'avais voulu suivre la dernière fois. Hop, je vais d'ailleurs la mettre à l'écran, ce sera mieux comme ça. Pouf. Ouais, ça passe. Donc, eh bien, il se trouve que le truc se basait sur Fedora IoT, sans doute pour pouvoir installer ça sur un Raspberry Pi tranquillement. Sauf que, ce que je suspecte, parce que l'article date de 2019, c'est que Fedora IoT a dû pas mal évoluer entre-temps. Et en gros, le script d'installation de K3S, lui, vient installer des packages. Et l'installation de packages sur Fedora IoT ne fonctionne plus pareil. Parce que Fedora IoT, visiblement, maintenant, est basé sur grosso modo les mêmes bases que Fedora Silverblue et Fedora CoreOS. C'est-à-dire qu'on a un système qui est grosso modo en lecture seule. Salut à toi, Rancune. C'est un système qui est grosso modo en lecture seule. Et il faut installer des trucs d'une façon un peu détournée pour ajouter des packages. Donc, parce que DNF ou Yum ne sont pas disponibles directement sur le système. Et en fait, le principe de ces versions de Fedora, que ce soit IoT, CoreOS ou Silverblue, c'est de proposer un système read-only, un système vraiment lecture seule qu'on touche pas vraiment, et que quand on a besoin de faire une mise à jour, en fait, on vient installer une version plus récente en parallèle, avec la possibilité de facilement basculer de l'un à l'autre pour faire un retour arrière facilement.
Donc c'est si certains d'entre vous ont déjà par exemple manipulé des j'ai envie de dire des appliances réseau. Je pense par exemple à des switches, typiquement des switches administrables dans ces 20 dernières années. Bien souvent, on a deux firmwares qui sont installés en parallèle et on peut basculer de l'un à l'autre en rebootant le switch par exemple. Donc c'est un fonctionnement qui est similaire en fait et qui a cet avantage avec donc un fichier de configuration associé. Qui permet, si jamais le nouveau firmware a des bugs, eh ben on peut revenir sur l'ancien facilement. Finalement, Fedora IoT ne convient pas. J'avais voulu installer des Fedora serveurs... J'avais voulu copier mes Fedora serveurs de mes débuts des streams sur les conteneurs, mais notamment avec des problématiques de firewall, les hostnames qui étaient restés les mêmes, ce genre de choses, c'était un peu galère. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que, entre guillemets, en préparation du stream, j'ai popé 3 VM qui normalement ont des noms différents, elles s'appellent Node 0, Node 1 et Node 2. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je les ai popées avec Terraform, parce que maintenant, je suis devenu un peu... Je suis devenu un peu monomaniaque de Terraform, faudra peut-être que je me soigne. Je me suis dit, plutôt que de m'embêter avec à paramétrer des VM à la main et pouvoir mettre en place des machines virtuelles sur d'autres ordinateurs que mon ordinateur de stream, je me suis dit, je vais utiliser Terraform pour pouvoir popper X VM dans un même environnement. XVM identique d'ailleurs, modulo l'adresse IP et le hostname. Salut à toi The42, bienvenue. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est cool que tu arrives parce que justement The42 m'a donné un petit coup de main dans la semaine pour ces histoires de VM dans Terraform en tout cas. Et ouais, Terraform, c'est le bien. En tout cas, ça marche plutôt pas mal. Alors, j'ai pas encore mis en public ces fichiers Terraform, mais j'essaierai de le faire rapidement. Donc, pour le moment, je me balade avec les fichiers en local. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque j'ai fait cette conf Terraform pour popper mes 3 VM, ça m'a permis de me rappeler, de me remémorer certaines choses. Notamment pas mal de possibilités de variables que j'ai utilisées dans mon stream de jeudi dernier. Donc comme quoi tout se regroupe, tout se recoupe, et certaines choses viennent en alimenter d'autres. Si je mets ça comme ça, ça sera peut-être plus facile pour moi pour voir le chat. Donc on en est là, et donc pourquoi est-ce que je suis passé avec du Terraform, c'est que ça m'a permis d'installer d'utiliser, comme j'utilise sur le stream la base code, d'utiliser Fedora Cloud. Et Fedora Cloud, pour des raisons de place, le firewall, YOLO quoi. Donc comme ça c'est plus simple. Et j'espère que ce sera plus facile à gérer pour nous. Toujours dans la catégorie recherche de tutoriaux sur l'installation de K3S, j'ai 2-3 liens là qui traînent. J'ai vu celui-ci qui a l'air pas trop mal, que je vais vous poster d'ailleurs dans le chat, et que je vais rajouter. Oups, non, je suis encore trompé dans les. Hop. Mais eux. Voilà, CTRL-C. Je vais plus faire CTRL-C, CTRL-V moi. Hop là, voilà. Et je vais aller mettre ça dans les liens du live, hop, qui se trouve. Alors les liens du live, c'est un chat sur mon serveur Discord, dont vous avez l'adresse ici, par là. Hashtag autopromotion. Hop, salut à toi Yoda, bienvenue. Alors, je te rassure, pour le moment, on n'est qu'à l'intro Yoda, donc t'as rien loupé. Puis à la limite même, pouf, ça évitera la pub. Y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Alors, d'abord, petit truc, mes VM.
out. Oui. Hop, voilà. Donc j'ai 3 VM, node 0, node 1, node 2, avec 3 IP différentes. Et bah, je vais aller me connecter sur ces 3 machines. Alors. Hop. Donc ça, je m'étais déjà connecté tout à l'heure. J'ai installé Temux là-dessus ou pas? Non, je pense que c'est Temux, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Oh la belle. Oui, voilà. Bah, c'est... Comme je disais, voilà, c'est grâce à The42, la petite map avec les noms des machines et les adresses IP. Je galérais un peu sur ce point et il m'a bien aidé. Hop. Donc on a 3, 4, 5. Hop. Yes. Voilà. Donc. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être faire un petit hostname ici. Node 0, ok, c'est cool. Hostname, node 1. Hostname. Alors, à la limite, je pourrais peut-être utiliser cluster SSH pour ça. On verra comment ça se passe. Si, si vraiment le besoin de cluster SSH s'en fait sentir. Cluster SSH, qui est un petit outil assez sympa, qui permet lorsqu'on veut se connecter à plusieurs machines en même temps et pouvoir exécuter simultanément les mêmes commandes sur les X machines. Si, j'ai déjà le hostname dans le prompt, mais par précaution, je préfère vérifier ça. Parce que des fois, les prompts ne sont pas toujours à jour. Bien. Alors, reprenons notre documentation. Alors, a priori, de toute façon, on va commencer par installer donc le premier node de notre K3S avec la commande classique hein, qui, de toute façon, se retrouve, je crois, dans la documentation officielle. Voilà, vous voyez, c'est... Allez, hop. Curl pipe SH. Alors, non, Varg, c'est pas de l'arche... Ah, alors, c'est pas de l'arche Linux, mais peut-être que tu demandes l'archi matériel. C'est du x86-64, hein. C'est des VM qui sont sur ma machine de stream. Hein. Hop, etc. System release. Hop, voilà. Alors j'ai pas installé NeoFetch là-dessus, mais de toute façon c'est une. Alors, Varg, I don't know if you speak or understand French, but this is a French-speaking stream, so I hope I hope you will understand what we are saying here. Donc, ouais, à la base, voilà, le truc. En théorie, c'est une pauvre ligne de commande avec un curl pipe SH. Oh, où est-ce que j'en étais? Ouais, moi, à la base, je voulais commencer mon petit truc pour installer le premier nœud. Alors, le curl pipe SH, moi, ça me fait toujours autant grincer des dents. Sur le principe, je trouve ça horrible. Mais bon, on avait regardé le script la dernière fois. Ça avait l'air pas trop mal fait. Ça, c'est un truc, alors j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, mais j'aimerais bien aussi installer Rancher après, si ça marche. Alors d'ailleurs, dans la catégorie « Je cherche de la doc » pour essayer d'installer proprement un K3S et que ça marche, je suis tombé sur une vidéo de Network Chuck. Qui est en anglais d'ailleurs. Je vous file le lien. Hop, si je le retrouve. Hop, alors, mon historique de YouTube. Mais la problématique avec les vidéos YouTube, c'est que c'est pas forcément évident d'aller regarder à nouveau, de copier-coller, de s'arrêter à un endroit pratique. Voilà. Et. Alors, si je veux bien le retrouver... J'ai regardé ça quand, moi? Je regarde trop de vidéos YouTube. Hop, voilà, si, trouvé. Hop.
Hop. Je vais vous le montrer ici. Hop. Alors non, pas la pub, mais tout refuser, voilà. Mais non, mais... Alors, bon, on va peut-être du coup pas montrer ça, mais en gros, je vais vous lier la vidéo qui fait une heure. Hein. Elle est relativement longue. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément, de doc écrite. Donc c'est pas forcément évident de resuivre derrière. Hop là. Hop là, je vous la link ici, je vais aussi la mettre dans les liens du live. Oh, je compte bien la télécharger, The, t'inquiète pas. Je vais la télécharger. Et je pense que j'essaierai de la rejouer à tête reposée. Mais du coup, je vais pas pouvoir m'en servir aujourd'hui dans l'immédiat. Hop. Bien, donc a priori, pendant ce temps, il a fini d'installer en tout cas le premier nœud. Et donc on va pouvoir utiliser la petite commande classique là pour vérifier. Hop, qui est ici, le 4.3s, alors le kubectl getnode, je crois. Hop. Mais il va falloir que je le fasse en tant que sudo de mémoire. Alors vérifier, on le fait juste hop, une fois d'ailleurs. Getnode tout court. Hein. Hop. Donc là il me dit, je peux pas... Et je lui demande gentiment. Et il me dit, ok, c'est prêt. Ça fait 116 secondes. Ouais, le temps qu'on discute, voilà, il était prêt. Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, on a notre histoire pour installer les autres nodes. D'aller le faire avec un... en allant voir le node token qui est ici. Alors, je suppose que pareil, là, j'ai pas les droits. Voilà. Alors, voilà, et on a un énorme token. Et donc, comme ils le disent, il faut aller sur l'autre machine et aller utiliser genre le truc de l'URL, le token. Alors, ce qui va être sympa, c'est d'aller déjà de trouver cette URL là. Donc déjà la machine, si je fais un petit hostname avec un hostname, je crois que c'est -fqdn de mémoire. Fqdn. Non, il est toujours en node 0, ok. Et ip-4-oaddr show. Alors je pourrais sortir le Terraform, output, mais c'est bien aussi de le voir depuis la machine. Donc 10.42.42.171. Alors, déjà d'une, est-ce que lui 10.42.42.171. Hop là. Il ping. Et si je tente un ping, node 0, tiens. Ah, il a pas l'air content. Donc on va peut-être utiliser les adresses IP. Ah, si. Si, si. Il a mis un petit moment à le résoudre, mais il a réussi. Donc, on va reprendre leur petite commande là. Hop. On va la copier-coller. Et puis on va l'éditer. Hop là. Donc, on va le tenter. Hein. Allez, node 0. Point. Je dis point. Hop, many nodes. Ça, j'ai fait many nodes. Hein. Many nodes, ouais. Point local. Et on va aller se mettre le token qu'on a vu avant. Hop, qui est là. Alors pour le moment, on va rester avec juste deux nœuds. On va bien voir ce que ça donne. Oh bah dites donc. Merci beaucoup pour le raid. Chaos Farboti, c'est génial ça. Merci à toi pour le raid, Chaos. Hop, Maréchaussée qui follow maintenant, merci beaucoup à toi. Salut à toi, NKEV24. Eh bien, bienvenue à tous les raideux. Hein. Bienvenue à vous. Alors. C'est quoi qui vous a attiré? C'est K3S qui vous a attiré ici? Dites
Default Root qui demande qu'est-ce que c'est que Kubernetes. Alice Lab 404 qui demande quelle machine on hack ici. merci beaucoup pour tes encouragements, Chaos. Ouais, tu m'envoies tout tes rigolos. Mais écoute, plus on est de fous, plus on rit. Donc moi, ça me va. Talvik, ça qui dit, il a voulu nous punir. Mais non. Merci beaucoup pour le follow, The Penguin. Merci à toi. Alors, ici, ça pète des pods. C'est toi, K3S. ça met l'ambiance tout de suite, c'est chouette. Alors, avant que je réponde à la question, c'est quoi K3S? Qu'est-ce que vous faisiez de beau avec Chaos? Je suppose que ça sent le hack, le CTF, non? Un petit hack the box, un truc comme ça, non? Au pif, là, comme ça. Je le sens bien, CTF. Try hack me, ok, box try hack me, ok. Vous avez bien dû vous amuser. Vous avez réussi, j'espère. J'espère que vous avez réussi. Et moi, pendant ce temps, toujours. Ah bah, c'est bien ça. Hop. Cube, CTL, hop. Ok, donc pour le moment, lui, il est toujours pas là. Un petit watch, moins zen 10, hop là, voilà. Alors, on sait pas trop comment on est resté sur notre fin, ok. Ouais. Des fois, sur un malentendu, ça passe, on se demande des fois comment. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tiens, d'ailleurs, des trucs sur TryHackMe ou d'autres sites. Je suis pas un expert cybersécu, je l'admets volontiers, mais c'est un sujet qui me botte de temps en temps et que j'ai pas fait depuis un petit moment. Ça pourrait être une idée, puisque pour l'anecdote, je vais avoir des vacances, alors pas tout de suite, mais je vais avoir des vacances à un moment. Et ce que je me disais, c'est que je pourrais essayer peut-être de streamer un ou deux streams pendant les vacances. Donc en mode, j'embarque le casque, la webcam, un laptop et faire des trucs du genre try hack me si la connexion internet le permet, ça pourrait être marrant. Cette cascade a été réalisée par un professionnel, ne la tentez pas chez vous. Alors, WorldDogic, bienvenue à toi. On fait quoi ici? Excellente question. Justement, Default Root posait la même question, plus ou moins. The qui demande un stream depuis la piscine. Ce sera pas à la piscine, ce sera plutôt au bord de la mer, mais je vais peut-être éviter de streamer au bord de la plage. Entre le sable et compagnie, ça pourrait poser problème. Puis en plus, on maîtrise pas bien la lumière, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait... Ouais, pour hacker, il faut porter des gants et avoir une capuche, ouais. Un digital nomade. Ça pourrait être marrant, voir comment on peut streamer en mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, visiblement... avant de commencer, merci pour le follow, Popnuts. Alors, en gros, l'idée, c'est que... On est en mode découverte de Kubernetes et de K3S. Donc qu'est-ce que c'est que ces gros mots? Eh bien, Kubernetes, en fait, le principe, c'est d'orchestrer des conteneurs. Pas de souci, Talvikis, si tu as envie de regarder le replay, il n'y a pas de souci, il va rester 2 semaines. Donc bonne continuation à toi aussi et merci d'être passé. En gros, voilà, Kubernetes, c'est un logiciel qui à l'origine a été créé par Google et qui permet de faire de l'orchestration de conteneurs Linux. En gros, quand vous avez, par exemple, une machine avec plusieurs conteneurs dessus, voire même plusieurs machines physiques ou virtuelles, on peut imaginer qu'on peut avoir des conteneurs sur une machine, des conteneurs sur une autre, et puis les basculer de l'une à l'autre selon la charge de travail. Merci beaucoup pour les follow Benny Ordure et Bébulon. Merci à vous, c'est gentil. Mais c'est, en plus, ça augmente en plus, dites donc les follow, parce que... Merci pour le follow d'ailleurs, El Cafou, merci à toi. On est à 488 followers. Merci aussi NKEV24, c'est cool. Hop.
C'est quoi l'orchestration? Le fait de faire tourner en même temps. Alors, l'orchestration, le principe, c'est de pouvoir, oui, les faire tourner en même temps, mais surtout de pouvoir gérer le fait de les faire tourner en même temps sur plusieurs ordinateurs différents. Et de pouvoir aussi gérer le fait d'en faire tourner 5 d'un côté, 10 de l'autre, selon la charge. Voire même, si jamais il y en a un qui se casse la figure, de ramener les 15 sur la même machine, par exemple. Alors je prends un exemple comme ça, si c'est juste 2 machines, mais ça peut être 2, 3, 4, 5. Voilà, voilou. Et merci pour le follow Hades Gamer. Pour ce qui est de la distro, c'est de la Fedora. Alors, pour ce qui est de la distro, moi, sur la machine de stream, je tourne sous Fedora Workstation. Normalement, je me demande si j'avais pas fait un point d'exclamation hardware ou un truc dans le genre. Je sais plus ce que j'avais mis dans les points d'exclamation. Elkafou, c'est très gentil d'être passé. Bon dimanche à toi aussi. Si jamais tu veux repasser, c'est tous les dimanches de 18h à 20h et les jeudis de 20h à 22h. Ah bah ouais, j'avais fait un point d'exclamation hardware. Voilà. Nickel. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser aussi côté VM, de passer en Fedora Cloud. Donc là, petit etc system release, hop là, voilà. Donc je suis en Fedora release 36 aussi, mais c'est une Fedora Cloud. Je peux vous montrer dans ma petite conf Terraform que j'ai planqué quelque part. Hop, storage, non. Je vais plutôt aller dans les variables, voilà. Ici où en gros, voilà, j'utilise carrément l'image de base de Fedora Cloud que je viens récupérer et instancier et configurer automatiquement avec du Terraform et du CloudInit. Et si jamais vous voulez plus de détails sur tout ce qui est Terraform et CloudInit, c'est plutôt les streams du jeudi soir, 20h-22h. Bref, donc pour le moment, je suis censé avoir un deuxième node là, node 1. Je sais pas ce qu'il fait, mais pour le moment, il est toujours pas là. Donc ça commence bien. Il n'y a pas de souci, Erneko. Moi aussi, je suis entre guillemets pur amateur. Et c'est en fait parce que je sentais que j'avais besoin de monter en compétence sur ces sujets-là. Je me suis dit, tiens, allez, on va le faire en mode en public, ensemble. On va essayer de débroussailler un peu tout ça. J'ai fait, je sais plus, 3-4 streams sur Podman, qui est une alternative à Docker, qui normalement est rétro-compatible. Enfin, rétro, vite fait, mais en gros, c'est compatible en termes de commandes. Voilà, j'ai fait un peu de conteneur classique et puis là je me suis dit tiens, je vais essayer de passer à la vitesse supérieure. Et pour le moment c'est pas une grosse réussite comme vous pouvez le constater parce qu'on a qu'un seul nœud qui est tranquillou. Il n'y a pas un get nodes par hasard? Non, get nodes ça revient au même. Ok. Et ouais, bonsoir à toi Dr Neswick. Bien, bien, bien. Pourquoi est-ce qu'il en a pas voulu, mon Binyu? Parce que, a priori... est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu que je refasse l'install avec le... avec l'IP, plutôt. Il aurait peut-être tardé à... Allez, je vais le refaire avec l'IP, cette fois-ci. Parce qu'il... Hop. On va essayer de relancer le truc avec l'IP. Si ça se trouve, ça marchera mieux. Hop. Allez. Bah oui, skipping binary, oui, normal, c'est déjà installé. Tu me reconfigures le BNU. Voilà. Alors la question c'est si jamais je fais je refais la même commande mais de l'autre côté. Hop, ici là. Est-ce qu'il va me dire quelque chose? Non, refused. Est-ce que vous avez déjà utilisé le bon? Ouais, bon, ok. Mais ça, ça, on l'avait déjà vu la dernière fois. Hein, quand j'avais essayé d'installer plusieurs nodes. Ah, bah voilà. Node ready. Voilà, il arrive. Et il est ready.
Et il a toujours le truc non. Ok, bon. Soit. Alors, il faudra que je vois s'il n'y a pas moyen que je déploie via... soit via Cloud Init, un ETC host. Soit un... Mince. Un Fichtre. Soit que j'aille essayer de configurer le réseau virtuel en lui disant « Eh, vas-y, utilise tel nom DNS. » Ah oui, d'ailleurs, pour celles et ceux qui aiment les détails justement sur l'environnement, vu que ma machine de stream tourne sous Linux, j'utilise libvirtkvm et du coup, j'ai virtmanager. Donc là, j'ai mes trois nodes, et si je vais dans les détails, on peut voir que j'ai un réseau dédié à mon petit cluster. Je peux d'ailleurs aussi vous le montrer, hop, ici, en faisant mon petit sudo virsh list, où là, on a la liste de mes VM, et je peux faire un net-list, hop, avec les réseaux qui existent. The qui nous dit qu'un ETC host avec Cloud Init, ça semble compliqué. Alors pour être honnête, je n'en ai pas la moindre idée, je viens juste de lancer l'idée comme ça, ça a popé dans la tête. Hein. Vu que les IP arrivent après création des machines, donc après la config de Cloud Init. Ouais, il y aura un petit problème d'œuf et de poule. Donc, maintenant que j'ai mes deux nœuds, est-ce qu'on va pouvoir continuer notre tuto? Alors, maintenant que je reviens sur le même nœud, ouais, donc il me dit pareil, hein, j'ai un control plane master et un truc qui est en mode non. Donc, on va commencer avec déployer un premier service, donc je suppose qu'il va falloir que je me pose ici, que je sorte mon petit VI adoré. Hop, et que je copie-colle bêtement tout ça dans un fichier qui va s'appeler nginx-deployment.yaml. Alors, copier. Hop. Je devrais appeler ces streams ambiance copier-coller. Ambiance copier-coller de YAML. Hop. D'ailleurs, j'ai installé juste Vim. Non, il n'y a pas de Vim. Donc, il n'y a que VI. Le bon vieux VI sans les la coloration syntaxique. Mais le truc, c'est que si jamais je commence à configurer mes VM de façon un petit peu plus poussée, un petit peu plus fine, le temps de déploiement va être un petit peu plus long. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'on va utiliser un petit coupe CT1, mais on va essayer d'aller un petit peu plus bas, histoire de savoir à quoi s'attendre. Alors, en total, on devrait avoir 10 pods qui tournent avec une... Pourquoi 10? Juste pour le fun. Moi, je vais peut-être pas en mettre 10, je vais en mettre 5. Parce que bon... Hop. Je vais être courageux, mais pas téméraire. Et il lance image Nginx 1.14.2. Ouais, bon, allez. C'est un peu old school, mais je suppose que c'est la dernière version qui était au moment de... la création de cette page. Et donc ensuite on peut lancer notre kubectl apply-f comme ça. Ok. Donc je suppose que si je regarde sous ça. App Nginx, spec containers. Ouais, bon, allez, on va le tenter, on va bien voir ce que ça donne. Avec un petit sudo avant, parce que je suis pas route là-dessus. Et. Il me dit qu'il l'a créé. Comme ça. Si je fais un petit écho. Dollar point d'interrogation. Il me dit 0. Donc a priori, tout s'est bien passé. Donc jusque là, tout va bien. En théorie. Et ensuite, je crois qu'il disait, il y a une petite commande magique qui permet de voir où est-ce que les pods fonctionnent. Hop. Donc on va faire la même chose. Hop, sudo. Et tac. Et a priori, j'en ai sur node 0 et j'en ai sur node 1. Et c'est cool ça. Je suis content. Je suis très content. Je suis très 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 heureux là. Parce que ça déjà, j'étais pas sûr de réussir à le faire avec le précédent tuto. Donc déjà, je peux déjà dire, ah ah K3S, j'ai ma revanche sur toi.
C'est sympa, il donne les IP. Ah ouais, il donne les IP. Il est allé se servir dans le range d'adresse IP. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que. Ce qui est marrant, c'est que il prend des IP dans un range qui est pas le même que celui que j'ai. Il aurait peut-être fallu que je prenne un range un peu plus grand pour configurer mes VM. Parce que en fait, mes VM, si je vous montre un peu ma conf Terraform, je lui ai dit de se mettre en 10.42.42.0 slash 24. Donc en gros, ça veut dire que j'ai créé un subnet précis au niveau de ma virtualisation et que mon ordinateur ne va natter que ça. Voilà. Donc ça va pas sortir des masses sur Internet en tout cas. Je serais curieux d'ailleurs. Merci pour le follow, Obs14. Merci à toi. Au hasard, 10.42.x.0 slash 24 où x est le numéro du node. Effectivement, ça y ressemble. Ça y ressemble. Mais d'où est-ce que ça vient? Alors, c'est une excellente question. J'ai pas la réponse à ça, eux. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux faire un ping vers les IP déjà? Ouais, donc lui il ping, mais c'est normal, puisque c'est le node du. Le conteneur est sur ce node-là. Si je vais sur le node 1, est-ce que je peux faire un ping vers un truc du node. Ça répond, ok, cool. Et puis on va aller sur lui là, qui n'est absolument pas dans le cluster, hein, le node 2. J'ai pas installé K3S dessus. Hein. Et ça ping pas. Certains savent peut-être déjà pourquoi. Moi, pour l'instant, je suis surtout en train de me dire ça doit être un truc parce que ça doit être des IP internes au cluster et que ça ne sort pas. Puisque le node 2 n'est donc pas dans le cluster. Il n'est pas dans les milieux autorisés. Hop. Alors, maintenant, on peut créer un service. Je pense que c'est l'install K3S qui a défini les ranges d'IP pour les pods. Ça pourrait être intéressant, du coup, de se demander d'aller fouiller la doc de K3S. Si on peut définir des ranges d'IP et ensuite voir comment faire en sorte que ces ranges d'IP soient accessibles. Ça pourrait être amusant. Juste, je lance l'idée comme ça, on verra bien. Où ça nous mène. Alors maintenant le druc dit creating ça. Je me rends compte qu'avec les gens qui sont arrivés par le raid, vous avez peut-être même pas le lien si vous avez envie de suivre et de lire le truc en entier. Je vais vous le copier-coller tout de suite. Hop. Et si jamais vous avez envie de retrouver les liens qui auraient été donnés dans des streams précédents, encore une fois, auto-promotion, il y a mon Discord qui est là et je mets les liens dedans. Normalement, vous trouverez aussi sur point d'exclamation socials toute ma présence sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Mastodon, ma page perso. J'allais dire une bêtise, j'allais dire bon compte OnlyFans, mais j'en ai pas. Donc si jamais il y a un compte OnlyFans à mon nom, sachez que c'est un faux. Voilà. Alors, donc le truc dit creating a service. This step is the first to make the internal deployment accessible. Ah, là ça devient intéressant. Donc, on peut créer encore un fichier YAML. Voilà. Donc allons-y. Et donc on copie tout ça dedans. Voilà. Alors ce qui m'embête, c'est que pour le moment, bon, on copie-colle de façon un peu bête et méchante, mais le truc, bon, je comprends bien que le but c'est de faire tourner ça sur un port HTTP classique, mais on a des noms, des labels, tout a le même nom. Donc c'est pas forcément évident à comprendre. Et on apply -f. Et surtout le truc c'est que là si par exemple j'ai envie de les dézinguer mes conteneurs, je sais même pas comment je vais faire. Mais bon, ce sera l'occasion de rechercher ça plus tard. Donc cube c'était apply. Mais on n'avait pas fait un cube c'était apply aussi tout à l'heure. Si on avait fait un apply. Donc a priori en gros. Quand on veut déployer des trucs, que ce soit des. Alors, comment ils avaient appelé ça tout à l'heure?
Deploying a service. Creating a service. Ok. Je suis pas sûr de comprendre la différence. Je sais pas vous, mais moi pour l'instant, vous savez, je me sens un peu comme le fameux mème avec le chien qui tape sur le clavier où il y a écrit I have no idea what I'm doing. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En même temps, j'ai prévenu, je crois que j'avais mis hashtag note tutoriel. bon, on va le faire ce kubectl. Hein, apply. Hop. Allez. Donc là, il a créé service Nginx. Ok. Et c'est censé faire quoi? Sudo kubectl get services. Ok. Donc, j'ai un truc qui s'appelle Kubernetes avec un cluster IP en 10.43. Non, mais. Non mais voilà, le truc, il est allé créer des subnets et tout ça en mode YOLO, vas-y, je prends des IP. En fait, Kubernetes, c'est des VM dans un coin qui forgent des IP. Cluster IP. Alors c'est marrant parce que lui, dans le tuto, il met 000. Alors que moi, là, j'ai des clusters IP. Alors, je suppose que si je fais un petit ping, j'ai dit ping, pas ping. Hop. Donc, ok, ça. Ça répond pas. Ok. Pourquoi pas, hein. Et il dit ok, si ça marche, mais ça a besoin d'être load balancé. Ouais. Je veux bien, mais alors. Je tentais un curl parce que bon. J'espère que vous m'en voudrez pas de vouloir aller un peu plus loin que le tuto. Bon, le 80, on s'en fout. Welcome to Nginx. Ok, donc ça c'est cool. Au moins on a, le Nginx qui tourne. Allez, si je viens ici et que je fais un petit cœur. Welcome to Nginx. Ok. Et je suppose que si je vais ici et que je tente ça, voilà, j'ai code. Donc bon, l'IP ping pas, mais l'IP est quand même accessible. Bon. Oups, j'étais allé trop loin. Donc là, en fait, le principe, si je pige bien, c'est qu'il a encore créé un autre réseau. Mais alors, comment ensuite tu vas y accéder? Alors, après avoir créé le service. Alors, Azram qui nous dit, dans la config du deployment, il t'a fait créer des pods Nginx avec un tag app Nginx. Ensuite, dans la création du... Alors, attends, on va revenir. On va revenir parce que... Hop. Donc si je fais Nginx deployment, hop, il t'a fait créer des pods Nginx avec un tag app Nginx. Template, metadata, label. Alors je vois pas ce à quoi tu fais référence avec le mot tag. Parce que là on a une histoire de label, de match label, app Nginx, ça doit être ça. Remarque, alors il a un match label ici, mais il a un template metadata label. Alors la différence entre les deux. Label dans les metadata. Ok, donc c'est ça. Ensuite, dans le creation du service, tu as le selector qui fait référence tag app pour faire le lien. Et le selector, ah oui, selector app Nginx. Ok. Ok. Bon à savoir. Bon à savoir. On pourra peut-être voir ensuite si on peut pas déployer et créer un autre service avec des trucs un peu différents. Merci pour l'explication en tout cas, Azram. Alors, donc a priori on a un service avec une IP clusterisée et il faudrait en faire de la répartition de charge. Et lui il veut faire un ingress avec HAProxy. Alors HAProxy, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel libre de répartition de charge. Donc vous avez votre serveur HAProxy qui est en frontal, entre guillemets, d'Internet. Et derrière ces des machines, vous avez ce qu'on appelle des back-ends. Et avec X fois le même service. Et comme ça, bah, vous pouvez, s'il y en a un qui se casse la figure, vous pouvez rediriger sur les autres. Ou alors faire en sorte que vous puissiez donc répartir la charge entre vos X machines derrière. Merci beaucoup pour le sub Rancune. Merci beaucoup à toi. Rancune qui en est à son deuxième mois de sub. Merci beaucoup. Hein. C'est très gentil. Ça me fait super plaisir. Les subs me font extrêmement plaisir.
J'en profite d'ailleurs pour signaler que Rancune fait aussi des streams. Alors si je me rappelle bien, c'est les jeudis et vendredis soirs. Et je commence à... Puisque comme il stream les jeudis soirs un peu après moi, j'ai lancé la tradition d'aller le raider tous les jeudis soirs. Dès que j'ai fini mon stream, hop, on va aller voir Rancune. Rancune fait des streams qui sont plutôt orientés électroniques. Donc les vendredis, il fait plutôt court pour apprendre l'électronique, enfin l'électricité et l'électronique depuis le début, ce qui je crois que c'est électronique from scratch, un truc comme ça. Tu me corrigeras si je me trompe, Rancune. Mais j'en profite hein, pour faire un peu de pub pour toi parce que tu fais des trucs super chouettes. Et le jeudi, il fait des streams où il essaye de faire un petit... il a un petit projet de monter un petit gadget électronique qui s'apparenterait à ce qu'on pourrait appeler un stream deck, si je dis pas de bêtises. Pareil, tu me corrigeras à nouveau si je me trompe. Hein. Donc n'hésitez pas à aller lui faire un coucou, c'est super chouette ce qu'il fait. Moi, j'avais pas revu ça depuis mes cours d'élec de DUT et ça fait du bien. Merci aussi pour le follow d'Hitbox, merci à toi. J'en profite pour signaler si jamais le sub avec ou sans Prime vous démange, que tous les subs ont, et ceux qui ont un certain nombre de points de chaîne ont accès à des petits emojis custom avec un petit mouton qui n'est pas censé rappeler celui de mon avatar. Et vous avez normalement des petits hello, des petits lol, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Ils ont été faits avec... voilà, exactement. Ils ont été faits par Studio Cyanotype. Donc, reprenons revenons à nos moutons, si je puis me permettre. Après cette démonstration de moutons de Rancune. Donc, a priori, je parlais répartition de charge. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas HAProxy, c'est un excellent logiciel créé par un Français qui s'appelle Willy Tarot et qui a monté d'ailleurs une société pour pouvoir proposer du service autour de HAProxy et qui propose même des appliances embarquant HAProxy. Appliance que je n'ai pas utilisé. Hein. Moi, quand j'ai utilisé HAProxy, à titre personnel ou professionnel, c'était uniquement la version open source. Donc, l'idée, c'est d'utiliser HAProxy, je suppose, pour accéder à plusieurs instances Nginx. Et maintenant, le truc propose un manifeste. Ah ouais, directement comme ça, cache sur GitHub. Et il propose un truc. Oula, c'est quoi encore ce truc ? API version kind namespace HAProxy controller. Ah ouais, ok. Dites donc, on va avoir du mal à les écrire from scratch ces trucs là. Hein. Et on peut directement utiliser en fait, plutôt que d'avoir le fichier en local, on peut carrément appeler une URL. Alors je vais quand même regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Parce que sait-on jamais, pourrait y avoir un truc du genre, vas-y, je fais un petit recrawl. Mais a priori, ouais, des trucs de config map. Ok. Bon. Pour l'instant, on est plutôt en mode découverte, donc on va gentiment, allez hop, copier-coller. S'il veut bien. Hop. Allez hop, qu'est-ce qu'il me dit ? Bah il me dit qu'il a créé tout un tas de choses. Donc a priori, il a créé tout ce qu'il fallait. Et on a moyen de vérifier que tout va bien en faisant un petit... Get ingress. Ok. Eh bah allons-y. No resource found. In default namespace. Ok. Donc moi je suis censé avoir un truc là quand même. Alors soit il met son temps.
il prend son temps, ce qui est possible, hein. Parce que pour information, si je fais un petit... est-ce que j'ai installé HTOP là-dessus? Non. Alors, top. Hop, donc j'ai 2 vCPU et j'ai 2 gigs de RAM. Bon, après... je sais que ma machine n'est pas une foudre de guerre, même si honnêtement, j'en suis très satisfait niveau perf. Hop. Toujours rien. Ok. Et lui, il fait un 10-199, mais alors moi, je dois pas avoir la même chose. Si je refais... test avec moi, un moins A à la fin de ta commande. Ok. Hop, on va relancer le truc avec un moins grand A. D'où sort le nom Ingress? Erneko, c'est une excellente question. Je suspecte que le Ingress, ça veut dire plutôt entrant. Si je dis pas de bêtises. Sur le Get Ingress. Ah, sur le Get Ingress. Ok, hop. Moins grand A. No resource found. Bon, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Et si je fais un get services, il m'a mis des choses en plus ou pas? Jusque là, tout va bien. Et si je refais un get pods, par exemple? Je vais pas me limiter au... Là, je vois rien. Ouais, parce que surtout que je suis censé avoir un truc avec des hosts et des IP, donc... Si je refais le Get Ingress. Non, toujours pas. Il bosse au moins un peu ou il fait que dalle? Ouais, il a l'air de pas faire grand chose là. Il y a quelques services qui tournent, mais je vois rien de. Pop, 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 pop. Donc. Je sais pas, est-ce qu'il a pris en compte mon truc au moins? Mais en fait, je suis en train de me dire... Ouais, non, mais tous mes apply-f, ils étaient bien en sudo. Ouais, ils étaient en sudo. Il y a des commandes où tu restes dans le namespace par défaut. Avec l'option -A, ça te montre pour tous les namespaces. Comme dans ta création d'ingress, il semblait créer un nouveau namespace, tu te disais que... Ah, bah oui, c'est pas bête. Oui, effectivement, un namespace à chaque proxy contrôleur. Ok. Ok. Sauf qu'en attendant... alors je peux peut-être relancer le truc. Il va peut-être dire que ça existe déjà. Remarque qu'il est là. Alors, point d'exclamation 39. Hop. Unchanged. Donc il dit que tout, tout est... En gros, pour lui, il est en mode, non mais voilà, je... C'est intéressant, tiens d'ailleurs, on a relancé deux fois la même commande. Donc la première fois, il a créé des choses. Et la deuxième fois, il fait « Eh, au fait, ça existe déjà, donc voilà, je touche à rien, en fait. » Et si, d'ailleurs... Ouais, donc du coup, il a fait des choses. Il a fait des choses. Pop-pop-pop-pom. Mais voilà, du coup, ça me... Alors maintenant, comment... Salut à toi Léod, salut, pourquoi je utilise K3S et pas K8S? Alors, c'est relativement arbitraire, c'est que j'espérais qu'en commençant par K3S, ce soit plus simple, en fait. Je découvre les trucs, je débroussaille complètement, je suis absolument pas un expert ni en K3S ni en K8S, et l'idée c'est vraiment, j'essaye d'y aller progressivement en termes de difficulté. J'ai fait des streams sur juste des conteneurs de façon classique, bête et méchante. Et là, j'essaye de monter progressivement en termes de difficulté. Donc, je suis un peu dans la même optique que toi où j'apprends les outils, en fait. Donc jusque-là, pour le moment, je me dis, ouais, bon, K3S, ça a l'air d'être une version, comment dire... plus légère où tout tient dans un binaire où pas mal de trucs plus légers sont mis en place,
Donc, je tente d'abord ça, et puis après. Disons que voilà, je suis sorti de la pataugeoire. Maintenant, je vais dans le petit bain. Et puis peut-être qu'un jour, j'irai dans le grand bain qu'à vitesse. Alors, donc, pour le moment, je suis juste en train de perdre pied dans le petit bain. Voilà. Parce que là, ça marche pas des masses. Pop, 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 pop. On a vu que c'était pas forcément instantané d'avoir des choses. Donc je me dis qu'en essayant de relister le truc là, ils finissent par, par afficher quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Mais par contre, mes pods. Mes potes sont toujours là. Il y en a toujours 5. Tout va bien. Et ça sert à rien que je tente un 10, 199, 720 parce que lui, quand il a fait son truc, il a obtenu ça. Mais comme il n'est pas forcément dans le, dans les mêmes subnets que moi, bon, c'est pas garanti quoi. Azram qui nous dit, par contre, c'est surprenant que ce soit l'install d'un ingress HA proxy et dans la sortie de la commande sur la doc, c'était un ingress Nginx. Ah! Ah, bah il y aura peut-être une erreur dans le fichier en fait. Donc, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va aller copier-coller ça, on va le récupérer. Hop! Wget commande notre fin. Oh, tu m'embêtes toi. Allez hop, sudo dn. Remarque, j'ai. Ouais, je préfère utiliser wget. Allez, sudo dnf-y install wget. Bizarrement, y a des fois je préfère utiliser wget, il y a des fois je préfère utiliser curl. Alors, pas de PC sous la main pour tester. Pas de soucis, Azram, ça arrive. Pattern not found Nginx. Alors, attends, tu avais dit quoi? C'est l'install d'un ingress HA proxy dans la sortie de la commande. La doc, c'est sur la doc, c'est un ingress Nginx. Hop. Ah oui, là, il te met Nginx ingress en termes de nom. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai absolument pas le mot Nginx dedans. Donc, si ça se trouve. Si ça se trouve, le truc est complètement, complètement à l'arrache. Pas. Alors. Config map, HA proxy, contrôleur, default backend, ingress. Ouais. Selector run HA proxy-ingress. Ouais. Alors. On va essayer de voir où est-ce qu'on pourrait changer des choses. Effectivement. Par contre, je vais refaire mon. Je voudrais revoir le. Je vais relancer le truc parce que. Le kubectl apply. Donc le. Hop, celui-là. Donc il dit quoi? Il a un namespace, il a un service account, il a un cluster role. Config map, deployment app. Ouais, bah effectivement, ça a dû installer HA proxy, mais en fait, HA proxy. Si je fais ça et que je le fais avec HA proxy. Non, j'ai rien du tout. Et si j'enlève ça? Alors. J'ai juste des pods. Ok. Alors, je vais peut-être aller fouiller dans la documentation de K3S. Hein. Comment est-ce que je peux lister. Ouais, bon, allez, tu m'embêtes de toute façon. Ça. Pop, 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 pop. Networking. Non, fac. Installation. Cluster access. Ouais, non, ça c'est vraiment ok.
Ouais, alors je pensais pas aller carrément. Je pensais pas aller carrément là-dedans. Quick Start Guide, ouais, mais on est déjà dans un. Ouais, ça c'était juste. 4 acer KE. Ouais, non, alors Rancher pour le moment, hop, on n'y est pas. Il n'y a pas de kind ingress dans le YAML, donc tu crées pas d'ingress. Alors attends, on va l'éditer le fichier là. Tu disais il n'y a pas de kind ingress. Alors si je fais un kind déjà, si je recherche. J'en ai un là, namespace, service account, cluster role binding. Je sais même pas à quoi ça correspond tout ce bazar. Il a l'air d'avoir créé des choses, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il a créé. Je suis complètement dans l'inconnu. Je. Tu crées que des services et des deployments dans le namespace achat proxy contrôleur. Ah. Ok. Donc il faudrait que je crée. Ah bah voilà, ça c'est la commande que je cherchais, Azram. Kubectl. Hop. Moins zen. Achat proxy-contrôleur. Get deploy. Ok. Alors ensuite il dit nanana, il y a un souci, mais bon, déjà à ce moment-là. Get SVC pour les services. Ah bah voilà. Non, hop, avec un seul. Oh. Dis donc, hein, j'ai un souci avec mes doigts, moi. Voilà, j'ai un. Ah oui, j'ai le cluster Kubernetes. Ouais, bah du coup, j'ai pas de. J'ai rien en plus, quoi. J'ai pas de cluster IP en plus. Changing the local Kubernetes context. Ouais, mais ça nous intéresse pas. Et lui, ils disent 404 is not fine. Avec le moins n. Non. Trompé. Tu disais avec le moins n le achat proxy contrôleur. Ça c'est ce que j'ai fait. Voilà. Effectivement, on voit que. Ah et du coup je peux faire un get service. Je peux faire un moins n. Comme ça. Ok. Donc a priori je peux tenter un petit curl là-dessus. Dalle. Hop. Et si je tente sur celui-ci, sur le port 8080, default backend 404. Ok. Ça sent le. J'aurais mettre un petit peu plus verbeux, curl. Hop. Merci. Sauf que, en fait. Ouais, c'est la default backend. Ça, je comprends parfaitement. Mais en fait. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est voir dans le dans les réponses, dans les headers HTTP, si. S'il n'y avait pas un truc qui dit, au fait, je suis un HA proxy. Mais j'ai pas l'impression. Donc a priori, ce que je devrais peut-être faire, si je comprends bien, hein, tu me corrigeras si je me trompe, Azram, mais dans les grandes lignes, il faudrait que je rajoute un truc en ingress dans le kind et que je réapplique le fichier en fait.
Donc là, à ce moment-là, tiens, il y a un truc carrément sur le site d'achat proxy. Avec un truc qui s'appelle Helm. Oula. Ouais, mais il faut trouver la bonne config. Oui, effectivement, ça va être la blague. Ah, ça vient directement de chez Achat Proxy. Et là, on aurait une version plus récente de la conf. Alors, est-ce qu'on aurait là-dedans, si je tape le mot ingress? Non, non. Ressources. Merci pour le follow, Defcon. Merci à toi. C'est qu'on est gentiment en train de s'avancer vers les 500 followers. On est à 493. Merci beaucoup à toutes et à tous. Surtout, il y a eu pas mal de follow aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne. Hein. Je dois avouer que presque 500 personnes qui me suivent, c'est assez. Comment dire? Ça fait chaud au cœur. Pop, 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 pom. Je vois pas de kind. T'as un exemple de YAML sur le Fedora Magazine 4.16 de la semaine dernière. Je suis pas sûr que ça passe juste en copy-paste. Je crois pas non plus. Ça peut se tenter pour l'ingress. Ah, alors attends, on va les récupérer du coup. Qu'est-ce que j'en avais fait du. C'était pas celui-là, c'était pas celui-là. Hop, on va aller le récupérer dans le Discord justement. Pop, 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 pom, Fedora Magazine, t'étais où? Hop, le voilà. Mais non, pas ici. Hop là. Là. Hop là. Application Discord. Mais non. Ah, zut. Voilà. Donc. Ingress contrôleur. Alors. Ah oui, parce que lui, il voulait l'utiliser avec. Que en fait, K3S inclut Trific, qui est un autre reverse proxy slash load balancer. Et ensuite, on peut faire un route de incoming. Hop là. On peut le tenter. On peut le tenter. Main ingress. Allez, tiens, voilà. Hop. Hop. Alors déjà, puisqu'on en avait déjà discuté avec Azram en privé, le service XIP n'existe plus. La valeur de host va pas être OK, ça c'est sûr. Mais je crois que ouais, c'est l'API version. Donc si je prends mon hop, API version, juste un V1 comme ça peut suffire, tu penses? Hop. Alors, si je mets juste un V1 comme ça, on va voir ce que ça donne. Kind ingress, name my server. Le service name va pas être Nginx. Ça va être Nginx. Ah bah oui, effectivement. Donc ici, on va peut-être mettre Nginx avec un seul G. Hop. Ici aussi. Je suis pas sûr que le host en dise 008, là, comme ça passe. On va l'appliquer, hein, mais je... Je pense qu'il va se... Ouais, voilà. Ça, c'est comme un serveur alias. Alors. Donc en gros, il aime pas le V1. Alors,
On va reprendre le truc. Je doute fort que ça passe tout court, parce que je crois que justement, je l'avais... Peut-être juste une extension V1. Non plus. Bêta. Non, il ne le reconnaît pas non plus. Il avait mis quoi, lui? Hop. Il avait juste mis nanana, V1. Ouais, à chaque fois, les API version, c'est juste V1. Ah non, tiens, il y avait un apps V1. Peut tenter ça. Non, toujours pas. Ouais. Ouais. Ah, pour toi, ce serait le networking? Ok. Allez, je tente. Je crois que je l'avais vu quelque part, non? Non, c'était un airbag. Bon, allez, hop. Alors, erreur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Il n'arrive pas à valider la data unknown field service name. Service name. C'est ici, backend Nginx. Ah. Ouais. A priori, non, c'est pas celui-là. Salut à toi, Erneko. Bonne soirée à toi aussi. Merci d'être passé en tout cas. C'était lequel déjà? Ah, flûte. Pipe, grep. CTL. Hop. Et c'était un. C'était celui-là. Où on avait les pods app Nginx. Mais quand je fais le get SVC pour les services, le truc me donne un HA proxy ingress et un ingress default back-end. Alors, Azram qui nous copie-colle un lien. Hop, je vais tout de suite le mettre dans les liens du live, comme ça c'est fait. Tac. Et ensuite, on va aller regarder ça. Hop là. Hey, ils ont la doc en français. Classe. Un ingress, un objet de Kubernetes qui gère l'accès externe au service dans un cluster, généralement du trafic HTTP. Un ingress peut fournir un équipage de charge, notamment TLS et un hébergement virtuel basé sur un nom. Ok, cool. Par souci de clarté, ce guide définit les termes suivants. Node, une seule. Ok. Cluster. Tu vas te refaire un labs pour aider un peu plus. Oh, ça c'est gentil, Azram. T'es un amour. T'es vraiment un amour, Azram, de m'accompagner sur ce sujet-là. Cluster, groupe de nœuds. Ouais, ok, jusque-là, ok. Router Edge. Stratégie par feu. Il peut s'agir d'une passerelle créée par un fournisseur de cloud ou d'un matériel physique. Ok. Réseau de cluster, ensemble de liens. Oh là, ok. Service, hein. Service Kubernetes. Un Kubernetes identifie un nombre de pods à l'aide de sélecteurs d'étiquettes. Sauf indication contraire, les services sont supposés avoir des adresses IP virtuelles routables uniquement dans le réseau du cluster. Ok. Et un ingress ou une entrée réseau. Tiens, qui c'est qui demandait exactement ce que c'était le ingress? Ah bah c'était Erneko qui demandait d'où sort le nom ingress. Bon bah Erneko, dommage,
Si j'ai bien compris, t'as déjà mis les voiles. Mais en gros, ça expose les routes HTTP et HTTPS de l'extérieur du cluster à des services au sein du cluster. Donc ça rend accessible depuis l'extérieur du cluster Kubernetes des services qui sont à l'intérieur. Le routage du trafic est contrôlé par des règles définies sur la ressource ingress. Ouais, ok, cool. Service type node port. Alors pourquoi déjà il queenait déjà? Si je relance le truc. C'était quoi? C'est quand je faisais mon apply. Voilà, il queen. Et il dit quoi? Il dit que. Il manque pass type. Et le unknown field service port. Donc a priori. Si je viens ici, déjà, service port, il estime qu'il n'en a rien à secouer. Hop, ça dégage. Donc si je refais mon truc, il va chouiner à nouveau. Unknown field service name. A priori, le ingress ne s'écrit plus de la même manière. Bah, c'est ce que je pense aussi, effectivement. Et il manque un truc qui s'appelle path type. Alors, donc a priori, le service name, on n'en a plus besoin non plus. Voilà. Et si je regarde l'exemple de la doc. Donc la doc fournit un exemple ensuite. Ah, oui, effectivement. Et le truc était en servi. Ah, ok, donc si ça se trouve là. Hop, donc j'aurais peut-être dû. Poum, 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 poum. Qu'est-ce que j'ai fait de mon lien? Hop, il est là. Non, c'est pas lui, c'est lui là. On va reprendre ce truc là. Hop. Voilà. On a dit que ça, le service zip.io, il n'existait plus, que c'était nip.io. Et ensuite, on avait dit par rapport à la doc Kubernetes, il dit que il y a. Alors. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est aller faire. Hop. Et essayer de d'adapter. On va se mettre comme ça. Voilà, on va éviter de laisser les deux dans le fichier. Hein. Mais en gros, le name ici, donc ce serait my-server. Ah mais nous du coup, ce serait Nginx. On va mettre Nginx ingress. Spec, rules, HTTP, pass. Bah, le pass, ce serait juste slash. Backend, service, name. Donc ici, ce serait plutôt Nginx. Puisqu'on a créé un service, je crois, qui s'appelle Nginx. Port number 80. A priori, ce serait ça. Hein. A priori, ce serait ça. Si je reprends mon histoire de... Alors, le truc s'appelle Nginx Deployment. Alors, c'était quoi? C'est Nginx Service. Parce que si je comprends bien... Si je reviens dans la... Non, pas ici. Et pourquoi il m'a changé? Ah, voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. Hop, voilà. Il me dit quoi? Name, ici. Spec, rules, HTTP, pas. Service, le service name, voilà. Donc là, le service name, a priori, il s'appellerait Nginx. Si j'ai bien saisi. Donc a priori... Donc ça, c'est le name de l'ingress. Et ça, c'est le name du service. Et donc, si je comprends bien, sudo kubectl-f myingress.yaml. Il devrait pas s'appeler myingress, mais... Ah, je me suis trompé. Apply, j'ai oublié le apply. Ok. Là, il l'a créé. Là, il l'a créé. Donc, si je reviens sur le tuto que je suivais tout à l'heure, il disait, au fait, il y a une commande pour vérifier que tout va bien. Hop, c'est celle-ci. Voilà, là, je l'ai. Nginx Ingress. Alors, il tourne sûrement pas avec HAProxy, mais c'est pas grave. Et donc, il y a deux adresses. Alors, ces deux adresses me disent un truc. Je les reconnais.
c'est que là, on a l'IP en 171, qui est l'IP du node 0. Et l'autre IP, la 111, à mon avis, ça doit être l'IP du node 1. Hop, je vais reprendre ma commande. Hop, copier-coller. Et donc, effectivement, c'est bien lui. C'est bien 111. Donc ça, c'est cool. Et donc, par contre, ce qui manque Kikin, c'est que... c'est qu'il a pris les adresses du... Donc, a priori, je dois pouvoir taper sur l'adresse. Donc, si je fais un curl, comme ça, en HTTP... J'ai un Nginx. Et si je le fais en 171, j'ai un Nginx aussi. C'est cool. Là vous voyez, ça, je commence à être un petit peu plus rassuré. Et si je reviens ici et que je fais aussi mon petit curl, ça passe. Ça passe. Maintenant, là où ça va devenir très intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais je le mets ici. Eh ben, ça passe. Et le 111, ça passe aussi. Victoire! Je t'ai eu, K3S, je t'ai eu. Merci pour le clap-clap, Azram. Merci beaucoup. Ah, je suis content, là. Alors, à défaut d'avoir compris, au moins, ça marche. Alors, essayons quand même de comprendre un peu. En gros, si je reprends mon fichier, il est où, le fichier? Hop, note 0, t'es là. Hop, alors... Donc, en gros, le truc, il dit, je crée un objet ingress. Salut à toi, Lazioli. Bienvenue sur le... Laziol, c'est ça? Ah non, c'est un i. Hop. Faudrait que je trouve un moyen de me mettre le chat en plus gros, en fait. Donc, c'est Lazloli. Ok. Bienvenue à toi, d'abord. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'essaye de mettre en place un cluster Kubernetes avec K3S. En fait, il existe, entre guillemets, plusieurs implémentations de Kubernetes. K3S en est une. Et permet de... Alors, en gros, c'est que on va utiliser plusieurs machines pour rendre un service. Bon, par exemple, un site web. Et, pour, et en fait, ces machines vont être ensemble... Pour rendre ce service et comme ça si tu en as une qui tombe et ben tu en as une autre qui peut prendre le relais, ou alors tu peux répartir tes différentes composantes du service que tu souhaites rendre sur plusieurs machines. Alors, je crois qu'on avait lu une petite définition assez sympa côté en tout cas sur la partie Kubernetes. Le cluster, c'est un groupe de nœuds, donc un groupe de machines protégées par un pare-feu et constituant, voilà, et ça peut aller plus loin que le backup, en fait. Lazuli. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir des clusters qui sont là pour faire de la haute dispo, et tu peux avoir des clusters qui sont là pour faire de la performance. Un exemple, tiens, si on veut aller vraiment de façon assez générique, je sais pas si tu as entendu parler, Lazuli, de ce qu'on appelle un HPC, un High Performance Cluster. Genre, c'était quoi déjà le site top500.org? Voilà. La liste du top 500. Oh, juin 2022. Hop là, voilà. Alors ça, c'est assez amusant. Je vais vous le linker. Hop, dans le chat. Et dans les liens du live. Hop. Donc ça, en gros... Et il n'y a pas de souci, Lazuli. Hein. Moi, je m'adapte aux gens. Et en gros, en fait... tu as une liste, en fait, de ce qu'on appelle les 500 plus gros clusters de calcul... du monde, les clusters publics en tout cas. Merci pour ton follow, Nanar Boiteux, merci à toi. Et en fait, eux, ils sont pas là pour, pour faire de la haute dispo, mais ils sont là pour te proposer une puissance du calcul, enfin je dis te proposer, généralement ces ensembles de machines sont dans des laboratoires divers et variés, et tu as et en fait des j'ai envie de dire des gens qui des chercheurs vont utiliser toute ou partie de toute la puissance de calcul qui est proposée pour aller vers
comment dire, pour pouvoir calculer plus vite. Tu vas avoir pas mal de calculs liés, par exemple, à la météo, où on peut imaginer des calculs pour faire des simulations diverses et variées, notamment dans la médecine, la biologie. Pour des requêtes d'ordinateur vers un site. Ah oui, c'est une possibilité, mais là, c'est pas... Alors là, les clusters de calcul que je te montre, c'est absolument pas le principe. Mais tu peux envisager effectivement des fermes de serveurs qui sont derrière ce qu'on appelle un répartiteur de charge, qui va être un autre serveur qui, lui, va justement récupérer toutes les requêtes vers un site et les redistribuer vers un ensemble de serveurs en back-end derrière. Vers ces variés. Je suis toujours, tout va bien. Voili, voilou. Donc, nous, en fait, on a monté pour l'instant juste deux nœuds pour mettre en place un cluster Kubernetes. Et Kubernetes permet quoi ? C'est qu'il permet de gérer des conteneurs, en fait. Alors, les serveurs, oui, sont dupliqués et ces services régulent le trafic. Potentiellement, oui. Ou alors, tu peux avoir... une partie d'un service sur un serveur et une partie d'un service sur l'autre. Ça peut être une possibilité. Par exemple, tu vas avoir juste l'application d'un côté, la base de données de l'autre. Donc tu distribues ton service final sur plusieurs éléments. Ah oui, tout à fait. Là, en l'occurrence, mes machines sont dans le même réseau. Par contre, j'avais pas lu le message d'Adram. Ton ingress, c'est ton lien entre l'extérieur et le cluster cube. Ça, jusque-là, j'ai compris. Tu forwardes les requêtes vers un service Nginx. Ok, ça c'est cool. Alors attends, on va reprendre le. Donc, ton ingress, c'est ton lien entre. Ok, donc là, on a le nom de l'ingress. Je forward les requêtes vers un service Nginx. Hop, service name Nginx. Ok. Le service Nginx, je l'avais créé avant. Ça, je me rappelle. Et il envoie les requêtes vers les pods qui ont le label App Nginx. Ok. Ok, c'est cool. Je pense que j'ai compris Azram. Je suis content là. Je me sens plus comme le chien qui fait I have no idea what I am doing. Bon. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, j'ai envie de dire. Mais par contre, mon ingress, alors attends, on avait tapé la commande qui va bien, qui est sympa, voilà, le get ingress. Ok. Maintenant, histoire de voir si j'ai vraiment bien compris, ce qui pourrait être sympa, c'est que je fasse un truc avec un autre type de conteneur. Qu'est-ce que je pourrais tenter quel autre genre de conteneur je pourrais mettre? Il y a des conteneurs WordPress qui existent, genre un WordPress déjà pré-mâché. Il y a WordPress officiel image Docker Hub. Oh. Il s'appellerait comment? Ah, oh là. Ouais. Oh, ça a l'air... Ça a l'air un peu du WordPress si pré-mâché, il faudrait probablement avoir également du share de fichiers pour le site. Ouais. How to use this image. Docker run name some WordPress -d WordPress. D'accord, donc a priori il y a une image qui s'appelle WordPress tout court. Donc ce que je peux peut-être faire... Que je peux peut-être faire. Ce serait
On va commencer avec le deployment. On va l'appeler WP, tiens. Hop. Name. WP deployment. App. Bah, WordPress. Hop, réplica, on va en mettre juste deux. Template, metadata, label, app, bah la app WordPress. Hop. Conteneur, donc le name, ce serait WordPress. L'image, j'ai envie de mettre juste WordPress en fait. On va voir si ça passe. Remarque, je tenterais bien un truc ici, je l'appellerais bien... WP-app, je sais pas si ça passerait. Azram qui dit plus tard, on pourra jouer avec Traffic en ingress et de la génération de certificats et de encrypt à la volée. On n'y est pas, on n'y est pas. Surtout que ça veut dire qu'il faudrait que le truc soit accessible sur internet avec les certificats et de encrypt. Hop là. Mais ça pourrait être une excellente idée, ouais. Ok, donc si je reprends le tuto. Qui était où? Qui était là? Il disait quoi à la base? Hop, d'abord déployer un service. Et donc, kubectl apply-f. Ok. Kubectl. Alors, Lazuli, moi aujourd'hui, je suis administrateur système et réseau orienté infrastructure chez un hébergeur, infogérant. Et je fais plutôt réseau stockage virtu. Et un petit peu de service web. Et de gestion de conf. Merci, c'est gentil pour le bravo. Donc j'identifie où apply. Mais du coup aujourd'hui je fais pas beaucoup de conteneurs et je pense que je loupe un truc. Donc j'essaye de rattraper ça. WP deployment. Donc hop. Et là il va me dire ah non il l'a créé. Donc je me suis pas gouré. Donc après le deployment il faut que je fasse un service. Donc je fais mon Nginx service. Toi, tu es level 2 IT. Bah, c'est bien aussi. Bravo. Hop. Et on va l'appeler. Bah, du coup, on va l'appeler WP service. Hein. Hop là. Tac. Donc, le metadata name WP-service. Label run A. Alors, label. Alors, le selector app. Donc, ça devrait être WP-app, si je comprends bien. Mais du coup, là, le label. Le label. Hop. Est-ce que j'ai fait une école ou certification? Alors. Alors, oui, j'ai quelques diplômes et quelques certifs. Parce qu'en fait, j'ai fait. Alors. J'ai fait un DUT dont le nom a changé d'ailleurs. Puisque c'est un DUT qui s'appelle Génie des télécoms et des réseaux, qui a été renommé ensuite en réseau et télécoms. et aujourd'hui, je crois que maintenant ça s'appelle un BUT, je crois maintenant, parce que donc les DUT ça se faisait en 2 ans. Et ensuite, j'avais continué une licence pro. Alors, la licence pro s'appelait Mars pour mobilité, administration des réseaux et sécurité. Qui a été renommé ensuite en Assure, si je me rappelle bien. Et aujourd'hui, en fait, ça a été fusionné plus ou moins autour d'un truc en Bac plus 3, qui je crois s'appelle BUT pour Bachelor un Bachelor d'universitaire de technologie, mais qui regroupe grosso modo les mêmes compétences ou... Tu fais, tu fais pas mal de réseaux, un peu de télécom, un petit peu de système quand même, pour avoir les bases aussi. Et ensuite, j'ai envie de dire, la passion a fait le reste. La passion a fait le reste. Et côté certif, avec le temps et alors l'école aussi, puisque l'école m'avait fait passer le CCNA de chez Cisco. L'école m'avait fait passer, alors la certif n'existe plus comme ça, c'était la Red Hat Certified Technician, la RHCT. Aujourd'hui, elle s'appelle la RHCSA, donc chez Red Hat. Et tu as le niveau supérieur qui s'appelle la RHCE, que j'ai eu l'occasion de passer quelques années plus tard.
Et qui, du coup, je n'ai pas renouvelé, d'ailleurs. Donc, elle est plus valide. Puisque je l'avais passé pour RHL 6, et aujourd'hui, RHL 9 est sorti. Ça fait bizarre. Et puis, alors, j'avais essayé de passer, puisque dans mon école, on essaye aussi de nous faire passer la certif Microsoft pour Windows 2003 serveur. 2003. Que j'avais planté. Pas de beaucoup, mais que j'avais planté. Et oui, j'ai quand même cherché à la passer. Hein. On sait jamais. Ça pouvait servir. Hein. Donc, j'avais pas fait exprès de la planter. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme certif à l'époque quand j'étais à l'école? Ouais, c'était ça. C'est déjà pas mal. Si, j'avais passé le... J'avais passé le TOEIC. J'avais passé le TOEIC. Et ensuite, ouais, donc un peu plus tard, à titre pro, j'ai passé 2-3 certifs sur du... j'ai passé une certif sur... Alors, Rancune qui dit pour le BUT RET, si certains veulent les infos, tu es là. Ah bah c'est cool. C'est cool ça, Rancune. Bah, n'hésite pas à renseigner les générations, ça c'est bien, les futures générations. Faudrait qu'on discute à l'occasion en privé pour savoir dans quelle école tu officies, Rancune. Ce serait marrant. Et ouais, toujours dans les certifs. Après, bon, les employeurs, quand ils en ont besoin, ils vous font passer les certifs. J'en ai passé notamment une ou deux sur AWS. Et je crois que c'est tout et que c'est déjà pas mal. Où est-ce que j'en étais, moi? Ouais, je voulais essayer de modifier le... Ah, tiens, on a un first time chat. Bienvenue à toi, Riz Jack. C'est un très beau parcours que j'ai fait. Merci, merci beaucoup. Tu as fait un tour en RET aussi, il n'y a pas mieux à ton goût. Salut à toi, Riboz. Alors, où est-ce que j'en étais? Ouais, moi, je voulais faire un déploiement WordPress. Donc, je voulais faire un service WordPress. Donc, mon service WordPress. Lazioli, tu as passé la CompTIA Add Plus et tu dis pour le Network Plus. Alors, honnêtement, les certifs CompTIA, je ne les connais absolument pas. Mais alors, absolument pas. Donc, le conteneur s'appelle Nana, l'app s'appelle WPApp. Donc, si ça se trouve, dans le run, je devrais peut-être mettre WP-app. Hop, voilà. Elle consiste en quoi d'ailleurs, Lazoli, les CompTIA? Donc, a priori, ensuite, je relance un kubectl apply-f, je suppose. Dans le service. Ouais, kubectl apply-f. Ça va, je commence à apprendre. Kubectl apply-f wp-service.yaml. Hop là! Il l'a créé. Il l'a créé. Cool. Il n'a pas fait d'erreur. Alors, Lazuli. Je vis aux US. Après, ça valide que tu connais les bases. Ah, c'est peut-être oui. Ça doit... Oui, culturellement parlant, je suppose que la CompTIA Plus est peut-être reconnue aux US. Effectivement. Et Léo083 qui dit, petite question, mais ça sert à quoi d'avoir un lab? Eh ben, ça sert à faire plein de bêtises comme je fais là maintenant. Et notamment dans le cas du LabAsCode que je fais les jeudis soirs, ça me permet d'avoir une machine sur laquelle je peux faire des trucs de façon... c'est un environnement de TP en fait. C'est tout simplement un environnement de TP sur lequel on peut pratiquer, comme le dit Lazloli. Tu t'amuses, tu casses tout, c'est pas grave, t'as pas des trucs importants dessus. Tu peux tout casser, tout recréer comme tu le sens. Donc le service est créé. Donc à partir de là, si je fais le petit sudo kubectl get services, j'ai aussi un wp-service. Donc je peux tenter un petit curl peut-être en http. Hop. Ouais, il me montre un truc ou pas quand même. 302 found. Ok. Apache 2453 Debian, powered PHP 7.4.30. Donc ça déjà, c'est plutôt pas mal. Et il me renvoie vers l'admin du WordPress. Ok. Oui, parce que le WordPress n'est pas configuré. Ok, donc on a un truc.
D'ailleurs, je crois qu'on n'avait pas regardé. Hop. Si on fait un cube CTL. Alors, donc ça, c'était le... Là, on avait les pods avec AppNginx. Donc, si je fais maintenant app wp-app. Ah, c'est wp-deployment. Voir si je mets juste WordPress, ça passerait. Normalement, non. Non, normal. Donc, wp-app. Parce que si je reprends mon wp-deployment, le name s'appelle wp-deployment. Donc, j'ai bien deux serveurs. Alors si ça se trouve, si ça se trouve, étant donné qu'ils sont peut-être pas liés en termes de stockage, comme disait Zeu, ça va peut-être pas, comment dire. Si ça se trouve, les deux trucs vont diverger comme ça, sans qu'on puisse rien y faire. Azram qui verse une petite larme en voyant Nils s'éloigner sur son petit vélo Kubernetes sans les petits trous. Bon, merci Azram, t'es super. Léo qui nous dit ok car perso j'utilise des VM, j'ai zéro budget. Bah ouais, je comprends, c'est justement le cas. Et en termes d'utilisation, c'est plus pratique lab ou c'est une question d'habitude? Ah mais alors en fait là en l'occurrence le lab que j'ai ici c'est des VM. C'est des VM hein. Si je reviens ici pour te montrer, donc là j'ai un petit réseau qui est séparé. Et là, si je fais la liste de mes VM, j'ai 3 VM qui tournent. Alors, je le fais ici en ligne de commande pour qu'on puisse voir, puisque je grossis mon terminal. Maintenant, je peux te montrer en graphique. J'ai ici Virtual Machine Manager avec mes 3 VM. Puis ouais, j'ai un truc de Kali pour tester, un Ubuntu aussi pour tester. Voilà. Donc après, par contre, moi, ce que j'aime bien des fois, c'est que quand je me mets... Alors oui, j'ai un Terraform au-dessus, tout à fait. Hop, tu peux le voir ici, j'ai mon code Terraform qui tourne. Et donc j'ai un provider Terraform pour parler à libvirt, qui est donc la solution de virtualisation que j'utilise sur ma machine. Et en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis monté un PC dédié pour faire des labs. Mais là, d'une part, ça c'est un petit lab qui peut tourner en local, donc c'est pas gênant. Pour mon plus gros lab du jeudi, j'utilise la machine dédiée sur laquelle je mets plein de machines virtuelles et plein de réseaux virtuels. Comme ça, ça évite de faire ramer mon PC. Ce qui est pratique surtout quand on stream. Et ouais, du coup, l'idée c'est d'essayer de mettre mes labs avec du Terraform pour pouvoir facilement les créer, les recréer. Mais là, le sujet principal, c'est Kubernetes, c'est pas forcément Terraform. Mais je pense que le code Terraform pour ce truc-là, j'essaierai de le publier, parce qu'il est sympa. Encore merci, Zeu. Bah, je t'en prie, de rien, pour l'explication. Donc, j'ai un WP Deployment, et le truc s'appelle WP Deployment, donc il faut aller chercher... Alors tiens, d'ailleurs, si je fais app égale... Oui, bah oui, parce que l'app s'appelle WP app. Voilà. Donc, ok, j'ai mes deux trucs. Et si je tente un petit curl comme ça... Ah oui, toujours moins V, moins I. Hop. Merci beaucoup pour le follow, Donuts Bacchus. Merci à toi. Eh, on avance tranquillement, hein. Je vais... 496 followers, je suis pas loin des 500, hein. Est-ce qu'on les aura avant la fin du live? Là est la question. Ou alors je passe en mode je live jusqu'à ce que j'ai les 500 followers? Non, non. Peut-être d'autres choses à faire. Hein. Ou alors si vous êtes partant, on peut continuer un petit peu plus. Hein. Généralement, les dimanches, je fais 18h-20h. Mais je m'interdis pas de gratter un quart d'heure de plus ces trucs-là. Donc pareil, nanana, et 10.42.1.8. Hop, 10.42.1.8. Ouais, kiff kiff. Ok, cool. Cool, cool, cool. Où est-ce que j'en étais, moi? Maintenant que j'ai fait mon service et qu'il est déployé... Alors, maintenant que j'ai fait mon service... The qui demande si, comme à la cantine, il y a du rab. J'ai un peu de place pour du rab quand c'est nécessaire les dimanches, beaucoup moins les jeudis, parce que le lendemain, il y a école.
puisque les jeudis je fais 20h-22h parce que ben avant j'ai boulot et après j'ai dodo. Donc j'ai fait mon petit kubectl get services, ça je l'ai fait tout à l'heure, je vais le refaire quand même. Hop, voilà, donc j'ai mon WP service qui est là. Et je l'avais fait en IP celui-là 43. Ouais, je l'avais fait. Qui est là. Et je l'ai fait sur mon node 0. Tiens, j'ai pas regardé, mais quand j'ai fait les voilà. Celui-là là, j'ai donc un sur le node 0 et un sur le node 1. Ok. Donc maintenant on va refaire l'ingress, mais cette fois-ci avec notre petit voilà. Ici. Donc de myingress, on va l'appeler WP ingress. Non, hop là, ingress, hop. Name, ben on va l'appeler WP ingress. Voilà. Ça, on va le laisser. Le name ici, ce serait donc WP service, si je pige bien. Voilà. Port 80. Alors le truc c'est, est-ce qu'il risque pas de rentrer en conflit? Voilà, c'est ça. Ça va peut-être être chiant. Alors la question c'est, est-ce qu'on le tenterait pas sur un autre numéro de port par hasard? Si je tente 8001 par exemple. On va le tenter, hein. On verra bien ce que ça donne. Donc après un petit kubectl apply-f. Ok, allez, sudo kubectl. J'ai pas d'autocomplétion sur kubectl. Je me demande s'il y a moyen de le rajouter dans le bash complétion. Donc apply-f. Attends, tu sais quoi? On va d'abord le tenter parce que après tout, le principe de ces streams, c'est aussi de c'est aussi d'apprendre et de voir des fois quand ça marche pas. Et de voir les erreurs. Donc on va laisser le port 80. Et on va voir ce que ça donne. Je suis le mec qui est prêt à se rétamer volontairement en vélo. Hein. Vous vous rendez compte? Ce que je suis prêt à faire pour vous. Je suis prêt à m'égratigner les genoux et les coudes. Allez. Ça devrait pas marcher. Donc Azram estime que ça ne devrait pas marcher. Je suis un peu d'accord avec toi Azram. Mais justement, je veux voir le message d'erreur qui est renvoyé. Bah, il l'a créé, pour le moment. Pour le moment, il l'a créé. Voilà. Et donc, sudo rancune qui dit, moi je vote, il bluffe. donc, on a deux ingress sur le même numéro de port. Ok, tout va bien. Alors ce que je vais faire, ouais mais il va envoyer le trafic vers le port 8001 de mon service. On va voir. Tiens, ce que je vais faire, hop, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Welcome to Nginx, ok. Alors ce qu'on peut peut-être faire, parce que d'après ce que j'ai compris en lisant le truc qu'avait linké Azram, si je reviens d'ailleurs sur la documentation de l'ingress de Kubernetes, le truc, je crois, il dit qu'il est capable. Il est capable plus ou moins de. Voilà, il donne accès à un écrit. Nanana, la terminaison, un hébergement, machin. Donc, il y a peut-être moyen. Ouais, c'est. Azram, tu lis dans mes pensées. Je me demandais même s'il n'y avait pas moyen de jouer avec le pass ici. Si je mets un pass slash WordPress, par exemple. Et que je réapplique mon BNU. Donc il l'a configuré maintenant. Et donc si je reviens ici, donc là normalement bah, j'ai toujours Welcome to Nginx. Et si je fais slash WordPress, 404 not found. WP admin setup config.php. Ok. Donc si ça se trouve, ce que je devrais peut-être faire aussi, c'est rajouter un autre ingress qui referait... alors, je sais pas si je peux en mettre une deuxième d'annotation pour faire un rewrite de target vers slash wp admin peut-être.
Mais là, du coup, il dit 404 not found. Et ça, c'est le Nginx 1.14.2. Ah, attends, mais ça, c'est le Nginx de... c'est le Nginx de mon premier... de mes premiers tests, ça. Parce que autant là, il me disait, au fait, welcome to Nginx. C'est mon pass slash qui répond pour slash WP admin. Ouais. Ouais, mais en fait, là, j'ai l'impression que le truc... Ou alors, je pense que je me suis emmêlé les pinceaux. Je pense que je me suis emmêlé les pinceaux quelque part. Et cet emmêlage de pinceaux quelque part, c'est que là, quand le truc renvoie, parce que on l'a vu, hein, quand on faisait les curls tout à l'heure, si je reprends celui-ci, par exemple, il faisait bien, au fait, je te fais un 302 pour que tu ailles configurer le WordPress. Donc ça, je m'y attendais à un redirect. Mais là, ce qui se passe, c'est quand il balance le redirect, il le balance vers le pod, enfin, pas le pod, il le renvoie vers le service Nginx, que je ne sais d'ailleurs pas désactiver pour le moment. Ça donne quoi comme log sur le conteneur WordPress? Ah, c'est une excellente question. Il va falloir que je me mette sur les conteneurs WordPress. Bah, il restart. Il réécrit ton URL en slash wp-admin dans ton ingress. C'est la première config qui match cette URL. Ah. Ah ouais, mais comme j'ai un Nginx hein, en 80 TCP, hein... Ah, mais ils sont pas sur la même IP pourtant. Est-ce qu'il aurait pas fallu que je indique la... Potentiellement avec slash WordPress, il reste dans le dossier. Alors... J'ai un peu de mal forcément à suivre les trucs. Alors on va aller regarder la doc du truc d'Ingress. Est-ce qu'il y a moyen d'aller lui dire au fait va dans un... va sur un... backend par défaut. Default backend service. Bah, pourtant, spec, rules, HTTP, pass, slash WordPress. Pourtant, on lui a donné le service, on lui a dit que c'était d'aller dans le WP service de taper. Ah, on peut faire plusieurs chemins vers plusieurs services. Ça, c'est cool. Ah, je ne suis pas en slash WordPress, slash WP admin. Ah, ok. Ok. Ah, donc en fait, c'est ici que j'aurais dû mettre slash WordPress. Et ici, j'aurais dû le laisser en pass slash, en fait. C'est que je me suis planté de... Hop là, allez. Configurer. On reprend. Donc je reviens ici. Donc là, je suis toujours Welcome to Nginx. WordPress. Et... Roulement de tambour. Roulement de tambour. Ça mouline.
ça mouline. Et voilà. Setup config. Setup config. Bon allez, soyons fous. Let's go. Blablabla. Username. Ah. Ah ouais, mais alors du coup je sais même pas quoi mettre en fait. Merci beaucoup Azram, merci encore une fois d'être passé. Merci beaucoup. Et de nouveau du slash WP admin. Ah ouais, tiens c'est bizarre. Oui, j'aurais besoin d'une DB, mais en fait la DB doit être embarquée, mais je n'ai pas la moindre idée de des valeurs par défaut que WordPress aurait pu avoir configurées, enfin que le conteneur pourrait avoir. Parce que je n'ai pas fait les moins E, DBOS, DBUser, DB machin. Ah non, ça c'est pour configurer le WordPress, peut-être pas. Mais WordPress DB password file. Donc en fait, j'ai que le WordPress et j'ai pas d'image de base de données. Faudrait que je pop un truc avec une base de données en fait. Ok. Non, je pensais que le truc était en mode standalone. Mais en fait, non, c'est juste un Apache avec un PHP et un WordPress. Et donc, il faut rajouter un conteneur base de données. Ce qu'on pourra peut-être envisager lors d'un prochain live. Ou alors... Parce que là, je vois pas trop comment... Je vois pas trop comment on pourrait... Alors par contre, ce qui serait marrant, c'est si je relance le... Parce que du coup, ça veut dire que ouais, j'ai deux... mais du coup, j'ai pas de stockage partagé entre les deux. Donc là, je sais même pas sur lequel je suis. Comment est-ce qu'on va... Dans quelle direction on va aller? Parce que là honnêtement, j'ai sorti le... J'ai pris une image WordPress, mais plus en mode YOLO, on sait jamais. Hein. Idéalement, j'aurais aimé mettre un truc un peu... Un peu custom. Mais oui, voilà, c'est ça. Les deux en round robin. Donc en fait, il faudrait limite que j'ai en fait... En fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que l'image WordPress telle qu'elle est... comment dire, l'image WordPress officielle ne va pas m'être utile. Parce que j'ai l'application qui est déployée sur deux environnements de stockage différents en fait. Et donc il faudrait que je lui mette la conf, la même, aux deux endroits. Donc, c'est pas évident. Bon, ça c'est... on s'en fiche, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'était un autre tuto. Moi, ce que je vais vous proposer... Parce que si je commence à rentrer dans dans différents trucs... si remarque un petit truc qu'on pourrait faire, si jamais ça prend pas trop longtemps, c'est peut-être d'essayer d'installer Rancher. Parce que ce qui paraît, c'est un petit truc qui permettrait de installer Upgrade Rancher. Hop. Alors installer sur un cluster Kubernetes. Voilà. Alors. This page. Ouais, c'est bien ça. Allez. Bah, j'ai deux nodes Linux. Parfait. Une base de données externe. Bon.
On va voir ce que ça donne. Hein. Ah. C'est tout ce qu'ils indiquent? Ouais. Je pense que je me suis encore lancé dans une idée... Bon, je pense qu'il va falloir que je retravaille le truc pour vous faire un stream un petit peu plus, réussi pour dimanche prochain. Mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais on pourrait peut-être, ça pourrait peut-être être le l'objectif de la du stream de la semaine prochaine. En tout cas pour la partie conteneur, c'est de s'installer un truc parce que Rancher, d'après ce que j'ai compris, c'est plus une interface web. Donc ce serait peut-être plus plus agréable à voir pour. Merci beaucoup pour le follow, Gutner. Ça pourrait être beaucoup plus sympa de voir les trucs avec une interface web. Je pense que du coup on va en rester là. Hop, bien. Et ben je suis content. Je suis content parce que je pense que j'ai pris ma revanche sur Kubernetes. Donc youpi, yay nous. Je sais pas si Azram a déjà mis les voiles, mais un grand merci à toi Azram. Merci aussi à eux d'être là. Merci d'ailleurs à vous toutes et vous tous qui suivez le live en direct. Parce que ça aide pour la motivation. Ça aide beaucoup. En plus, vous êtes presque 500 à me suivre sur mes aventures Twitch. Et honnêtement, ça me... je vais pas dire que ça me met la pression, mais en tout cas, ça me fait chaud au cœur. Mais je t'en prie, Riz Jack, moi, ça me fait plaisir. J'aime bien découvrir des trucs, j'aime bien partager mes découvertes. J'aime aussi partager mon savoir quand j'en ai. Donc, et puis si ça peut faire avancer d'autres personnes, bah, tant qu'à faire, profitons-en. Si jamais vous voulez assister à la suite, et ben, pour la pression, il faudrait passer dans un bar. Bravo, merci Zeu. C'est vrai que Manon était pas là, donc il fallait bien quelqu'un pour le petit jeu de mots. Donc merci d'avoir calé le petit jeu de mots traditionnel du stream, Zeu. Donc si jamais vous voulez suivre la suite, parce que bon, il y a eu un épisode 2, il va y avoir un épisode 3 quand même, hein, jamais 2 sans 3. Donc c'est les dimanches de 18h à 20h. Même URL Twitch, hein, twitch.tv/hp_nils. Et donc ça c'est pour la partie vraiment conteneur. Si jamais vous avez envie de voir mes aventures sur mon lab as code, où en gros je fais un lab réseau qui essaye de, entre guillemets, de simuler une partie d'internet. Genre avec routage dynamique, vraiment façon sur internet, c'est les jeudis de 20h à 22h. Vous pouvez bien entendu retrouver pendant 2 semaines les replays sur ma chaîne Twitch. Je sais que je suis franchement à la bourre pour mettre les replays sur YouTube, mais j'espère un jour avoir un peu de temps pour vous les mettre. Si jamais vous voulez discuter entre deux streams, eh ben, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire !! socials, avec notamment ma page perso qui regroupe toutes mes présences sur les réseaux sociaux. Je pense à Mastodon, Twitter, Instagram, le serveur Discord, dont vous avez de toute façon l'URL là-dessous, ma chaîne YouTube bien entendu. Tout ça est disponible. N'hésitez pas à passer faire coup. Voili voilou. Il me reste plus donc qu'à vous souhaiter une excellente fin de week-end. Un bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous donc jeudi pour le Lab as Code. Et puis dimanche prochain pour mes prochaines aventures Kubernetes. Bye bye, bonne soirée à toutes et à tous.